Regardez où on est les gars, let's go. Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, regardez où on est les gars, let's go. Les World 2024 les gars. Bon, je sais que vous aimez GTA 5. Et moi, vous savez que je suis fan de League of Legends. Vous savez, pour ceux qui aiment mes stories, etc. Je suis tout dans les World. Et aujourd'hui les gars, j'ai eu la chance d'aller voir les World. Bon les gars, on est actuellement en pleine direction à Diaz Arena. Il nous reste 45 minutes de route, mais on va les manger avant. Au 129, elle est parisienne les gars. Vous savez que le 129 c'est une dinguerie. C'était juste à côté du Diaz Arena, donc je suis obligé d'aller tester. Une chose les gars, on arrive à la station. Ça nous dit quoi? Ça nous dit les toilettes sont condamnées, on ne peut pas faire pipi. Sauf que là j'ai envie de pisser mais abusé. Ça fait 3 heures que je conduis. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller pisser entre deux petits camions. Et ma cible là-bas. Les deux là ils sont pas mal non? Je pense que c'est pas mal. Obligé les gars, obligé. Là les gars, depuis là je dédicace à la salle. Wow. A few minutes later. Bon, on va reprendre la route les gars, on se retrouve directement au 129. Waouh. Le 129 les gars. C'est succulent, regardez-moi cette beauté. C'est de toute beauté. Du coup les gars, on vient de grailler tranquillement au 129. Là, je vais aller du coup en direction de la direction comme on dit chez moi, direction la Diaz Arena. Là, dites-vous qu'il est actuellement 13h11 et le match commence à 14h. Mais c'est magnifique parce que le 129 il était à genre à 10 minutes en voiture. Du coup, je vais arriver pile poil pour le pré-show. Ça va être pas mal les gars. Donc je filme ça, ça va être une dinguerie. C'est la première fois que je vais voir les World parce que je suis depuis des années les gars, les World. Et puis voilà, ça va être bon. Merci à LG pour l'invitation les gars. En vrai, c'est une dinguerie de ça. J'ai toujours voulu aller voir les Worlds en vrai. En l'occurrence celle c'était à Paris. Il n'y avait plus de place. Donc moi je fais quoi les gars? J'envoie un petit message à LG, je leur dis écoutez, fan des Worlds, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une petite place? Ils m'ont trouvé ça les gars en une semaine. Dinguerie. Donc c'est pour ça que merci à eux parce qu'il n'y avait plus de place. C'était sold out les gars. C'est fini. Je crois que c'est parti en deux jours, je crois 24 heures, il n'y avait plus de place pour Paris les gars. Mais après en même temps, c'est pas tout le temps qu'il y a les Worlds à Paris. En l'occurrence là on a de la chance. Et du coup on va vivre ça. On va aller voir un peu ce que ça donne. Il y a beaucoup de monde. C'est abusé. Montre le monde un peu là-bas. Regardez le monde les gars. C'est une dingue. Bah écoute, on y va. Let's go, vamos. Allons voir les Worlds de League of Legends. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, les gars, ceux qui s'affrontent, c'est Genji contre FlyQuest. Ça va être un beau match. Donc, je pense que Genji va gagner hein, parce que c'est les favoris de cette année. On verra bien, mais en tout cas, moi, je suis pour T1. Ils sont qualifiés hier. Allez, c'est parti. Suivez-moi, les gars. Direction l'endroit favori. On va aller voir ce que ça donne. J'ai même pas encore vu la scène à quoi ça ressemble les gars. On va partir en haut pour voir un peu comment c'est, etc. Là habituellement je le vois sur Twitch quoi. Là de le voir en vrai ça va voir. On va voir ce que ça donne les gars. Bon les gars, après je peux pas mentir, moi je suis pas du tout Genji les gars. Plus Bon les gars, voilà ma petite décoration. Bon, je suis pour T1, mais j'aime bien Shovi quand même, donc voilà, petite dédicace à la simulation bien évidemment. World 2024, quart de finale, dingue. Let's go! En direct des Worlds les gars, c'est dingue. Là on vient de rentrer, on est monté tout en haut. Mais c'est la chose, quand vous regardez, je pense que durant le whole year, one of the best things in the world because you want to learn from that. What comes into preparation when you actually want to face it? Vraiment les gars, c'est dingue. Bon là ça parle, il y a un interview, je crois. Hey, emotional trauma with a prima donna gasping when she see the commas laughing to conceal the monsters. I feel like Kanye when he lost his Donda. When my father left me, you were there to heal the pain I conquered. I never pay you back for what that meant to me. Some scars just fade physically but never leave mentally. It's where will people spiritually connect to turn to enemies and memories turn to villain origin accessories. And I'm the bad guy yet again. Spent so much time trying to find who the victim is. It's probably both of us, but neither one is giving in. So here we go again. Aujourd'hui, le dernier espoir américain contre un étranger.
c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. En gros, on a les favoris, les gars, ils perdent 1-0. Moi, je me dis une ambiance dans la salle, c'est de malade, ça crie. Parce que vous savez bien, bah, tout le monde ici est avec West. Il y a des fans de Genji, mais c'est une dinguerie. Donc là, c'est une petite pause, on va aller faire un petit pipi et voir s'il y a à boire, parce que j'ai soif, les gars. On va aller jouer avec West, t'as deux doigts de faire le plus gros de cette nation. Te le dis comme une éducation compétitive. Les gens parlent des coups du G2 RNG. Oh, mais c'est ça. Ah, en 2018. Les gars, scénario fou, il y a eu 2-2, je suis dégoûté, vraiment dégoûté. En fait, j'aime bien Genji, mais toi, j'aurais voulu quand même que l'Amérique gagne, mais parce qu'en face, après en demi-finale, ce sera T1, les gars, ce sera mon équipe. Et Genji, ils les ont humiliés. Donc là, en l'occurrence, ça va être compliqué pour T1, mais on prend la victoire, les gars, on prend la victoire. Nous, on va aller à l'Airbnb, on va voir ce que ça donne l'Airbnb. Les gars, ça fait 4 heures qu'on est dans le truc. On arrive à 13h30, il est quelle heure là? 18h31, les gars, ça veut dire ouais, 5h. Bon, allez, direction, merde. Bon les gars, après avoir regardé le match, tant attendu, c'était incroyable, magnifique. J'ai des bruits parce que c'est vrai qu'on n'entendait pas trop avec les gens et tout, c'était vraiment magnifique. Ambiance de fou. Franchement, je suis allé au Parc des Princes et tout. L'ambiance, c'était pire que le Parc des Princes, c'était une dinguerie. Bon, on est arrivé à l'Airbnb, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bienvenue, bienvenue. Venez dans notre demeure. Bon, après, on va dire, l'Airbnb, on s'en fout un peu, mais voilà. On fait un petit tour quand même. Donc voilà, petite cuisine. C'est tout neuf hein, pour ce bâtiment, ils sont juste neuf. Incroyable. Les bâtiments ils sont comme ça, regardez en face les gars. Ils sont comme ça, c'est des bâtiments tout neufs, un peu style parisien. Voilà. Et après, hop, tu viens par là, t'as une petite chambre. Tranquillement, donc je pense que je vais dormir ici. Toi tu prends l'autre hein, à mon avis. Toi tu vas dormir là je pense. C'est pas mal ça comme chambre. T'as ta douche toi en fait. Tu m'as même pas attendu. Ouais. Bah voilà, donc voilà à quoi ressemble l'Airbnb les gars. En tout cas c'était vraiment incroyable. Merci encore NG. Bah nous on va y aller je pense. Hein. On va aller manger, on va s'habiller, on va se préparer tout ça, puis après on va aller manger au resto les gars. Bon bah sur ce les gars, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va rentrer à Nancy, puisque Nancy, tout est permis à Nancy. On va rejoindre la salle Eden pour les vidéos là. En tout cas voilà, sur ce, ciao.